C'est bon ça. On a repris 50 mètres. Il est énorme. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur la Loire. Voilà, il fait super beau. On est en fin de printemps, donc on est début juin. Ça fait une grosse semaine qu'on a des fortes chaleurs, donc les silures étaient entrées en frais. Je pense qu'ils ne sont pas totalement sortis, mais il y en a sûrement quelques-uns qui sont retournés dans leurs veines ou dans les coulées. Du coup, on va pêcher exclusivement au leurre dur, mais pas que, à l'ondulante, au leurre souple, notamment avec les nouvelles Redge Crow, voilà, donc en 13, 16 et peut-être 20 cm, on va essayer, on verra. Les nouvelles Air Striking, c'est les cranks, voilà, super beau. On va également retenter de pêcher avec les Freediver 12, 9, les fameux Hornet 9 aussi également, voilà. Il y a trois nouveaux coloris, donc on va essayer tout ça. On va surtout essayer de vous montrer des belles images et puis on va essayer de prendre du poisson quoi, c'est un peu le but de la journée. Allez, go. On va pêcher en spinning. Là je suis en train d'attacher mon leurre à mon bas de ligne. Donc moi je le relie souvent, c'est ce qu'il y a de plus costaud et de plus libre, je trouve, à un anneau soudé et puis un anneau brisé. Voilà. Donc là, on va commencer la pêche avec un crank. C'est les nouveaux crank Striking. C'est les Pro Series 6. Donc ils descendent à une profondeur d'environ 4 mètres, 3,50 m, 4 mètres. Voilà, c'est des leurres qui sont bruiteurs. Bien évidemment, comme on pêche le silure, on change les anneaux brisés et les hameçons. Donc là, c'est des hameçons de 1,0 avec des anneaux brisés d'environ 70 kg. Après, ça dépend des marques. Voilà. Ben, c'est beau là. Là, tu as un mur de pierre ici. C'est magnifique. Donc là, la pêche, elle est assez propice pour nous parce que il y a 3-4 semaines, on a pris une petite montée d'eau et puis la Loire s'est teintée. C'est même très bien teintée parce qu'elle était vachement boueuse il y a encore 15 jours. Et donc là, pour la pêche, c'est super intéressant, surtout pour la pêche au leurre. D'habitude, on voit dans 3 mètres d'eau, donc là, c'est idéal. Là, on peut prendre des touches en cul de bateau, donc faut tout le temps y croire, jusqu'au bout. Je suis chaud. Allez, go, c'est parti. Ça balance ça en plus, c'est bon ça. Donc là je pêche en spinning. Donc c'est une canne type RO en 2,40 m. Donc c'est une canne qui a une réserve de puissance entre 40 et 160 grammes. Donc idéal pour lancer loin. Elle lance super loin. Donc c'est un carbone 30-40 tonnes, donc c'est des matériaux hyper résistants. On a un porte-moulinet Fuji et puis une super finition en mousse EVA. C'est super agréable à prendre en main. Elle a une pointe assez souple pour pouvoir balancer justement assez loin. Putain, j'en avais un. Tu l'as vu? Oh putain! Oh non! Oh, il m'a pris au ralenti. Oh, j'ai été surpris. Oh non! Oh non! Putain! C'est de bon augure! Donc là, on pêche au crank. L'avantage du crank sur des grandes coulées comme ça, c'est qu'on prospecte vachement vite. Là, je fais 2-3 lancers décalés de 2-3 mètres à chaque fois. S'il y a un poisson qui est mordeur, il doit le prendre normalement. Donc on bat énormément de terrain et rapidement. Après, le crank, il nage en ramenant lentement avec l'appui du courant. Il gratte le sable, il fait un petit nuage de sable derrière. Et puis ça, généralement, les silures, ils aiment bien. C'est pour ça que je préfère prendre un crank qui descend un peu plus que la profondeur qu'il y a dans l'eau. Quitte à taper des cailloux, des obstacles, souvent, ça fait décrocher l'heure et ça prend mieux que,
que de ramener un leurre comme ça dans le vide. 2 minutes après, 2:10. Donc la premier poste, on a fait un semblant de touche. Je sais pas trop si j'ai tapé dans un caillou très très fort avec le courant, ça a désaxé mon leurre, j'ai cru prendre une touche. Bon là, on n'a pas fait de touche concrète, donc on va aller voir ailleurs. On va chercher, voir si on trouve d'autres poissons. Voilà, on va dans une autre coulée. C'est un cendre ou un aspe? Oh la boîte! C'est pas un silure. Oh l'aspe de bâtard! Non! Délire! Allez là! Oh saloperie! Délire! Oh cette boîte! Tu veux faire une photo du truc? Bah. Oh putain! Un petit hameçon dans le doigt. Ça va, je vais enlever vite. Bon. Commence bien cette journée là. Un aspe pas prévu. Et un hameçon dans le doigt. Ah putain. Bon. On va essayer de faire un silure, ça serait mieux. Allez, c'est reparti. Putain! Ouais, poisson! C'est pour un gros. C'est bon ça! Petite touchette là. Quand l'eau est teintée comme ça, hein, pas besoin de trouver des grandes profondeurs, hein, des obstacles. Là, on a un gros tronc avec des pieux et des branches, quelques pierres. Donc, on va en mettre 50 d'eau, 2 mètres grand max. Là, on a pris une belle tape. Belle tape au Hornet 9. Un petit poisson. Donc voilà. Petit poisson Hornet, un des nouveaux coloris de la gamme. Petit poisson, mais qui fait bien plaisir. Pris dans une accélération de courant, dans les obstacles. Poisson de 130 à peu près, environ. Une boucherie Rissler. En 13, je suis déjà descendu en 27 centièmes. Bah, ça m'est arrivé quelques fois, parce que plus on plèche fin, plus on lance loin. Mais bon, ça m'est arrivé quelques fois de rater des gros ou de casser dans les obstacles. Donc j'ai trouvé le bon compromis maintenant entre 30 et 35. Voilà. Là, on est sur du 33. Donc voilà, 33 en 8 brins. Tresse assez ronde pour pouvoir balancer loin, qu'il n'y ait pas trop de... Qu'il n'y ait pas trop de sifflet un peu quand il y a du vent, et puis ça va bien pour l'instant. J'ai pas eu trop de casse, donc c'est bon. Allez, on remet ça. Up.
là on va arriver sur un nouveau poste. Donc comme en Loire les poissons ils ont déjà vu des quantités de leurres et puis ils sont super méfiants. On passe sur le côté, on monte en amont et on essaye de faire le moins de bruit possible. Très important, surtout pour faire des gros. Donc là on va attaquer la pêche, enfin ce poste là, avec un chatter. Ça brasse beaucoup d'eau, un chatter maison. Et puis en trailer une croix 13 cm. J'ai juste coupé une ou deux phalanges. Et puis ça nage du feu de Dieu. On voit bien l'action de la canne là, même sur un petit poisson, on prend du plaisir. Wow. Avec la chaleur, ils sont dans le courant. Hein. Fais pas le débile toi. Hop là, décroché. Bon, c'est pas grave, vous l'avez vu. C'était pas un gros poisson. C'est pas grave, ça en fait deux. On continue, c'est reparti. Là, c'était avec le petit crank Striking. Le pro modèle taille 6 de chez Striking. Voilà, déjà bien abîmé. J'ai réussi à faire quelques poissons avec cette année déjà. Bon, allez, continue. Chatter. Ah, je sais pas si c'est gros. C'était bizarre. Oh putain, il m'a bouffé macro ce con là. Il a tellement bouffé macro qu'elle a disparu. Allez, viens là. Hop. Moi j'ai mis un trailer mais. Il a disparu. Hop. Ah, c'est une saucisse, mais bon. C'est pas grave. Putain, elle a disparu. Oh, comment il est gobé celui-là aussi. C'est Hugo qui a pêché. Puis c'est Hugo qui a pris un poisson. Voilà. On essayait de trouver s'il y avait une différence avec des billes ou pas de billes. Bah, pour l'instant, c'est kiff-kiff quoi. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de. On n'a pas réussi à trouver vraiment une réelle différence. Surtout sur la taille du poisson, quand même, il faut la pince parce que là, hop, hop, voilà, petit SK en taille 6, mais en 3,50 en profondeur, ça va. Un joli petit poisson, bien dodu, bien joué Hugo. Je le sens bien, comme à chaque coulée, hein. Après, faut tomber dessus. Hein. Ce matin, ils n'étaient pas trop mordeurs, là, un peu mieux, hein. Une demi-heure, on fait deux poissons. Donc, on va essayer de continuer, en espérant que les un peu plus jolis pointent le bout de leur nez, quoi, parce que on a fait que des saucisses pour l'instant. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Bon, là, on va repêcher avec un Salmo Hornet 9. Donc l'avantage de ce leurre là, bah, c'est qu'il est prêt à pêcher. Hein. Contrairement aux autres leurres, il n'y a pas besoin de changer les anneaux brisés et les hameçons.
vous sortez de l'emballage, vous l'équipez et puis il est prêt à pêcher. Voilà, l'armement est conçu exprès pour la pêche du silure. Donc, c'est un gros avantage. Je l'ai monté sur mon bas de ligne et puis je suis prêt à pêcher. Enfin, les co-sondeurs, je m'en sers pour prospecter, surtout en mode side imaging. Après, maintenant, les sondes sont tellement puissantes, c'est bien, hein, parce qu'on voit beaucoup de poissons, mais ça claque fort aussi, donc surtout dans la Loire, je l'éteins. Voilà. Je l'éteins parce que ouais, les poissons, ça, ils l'entendent. Hein. Je sais pas si vous voulez faire le test, vous mettez la tête sous l'eau, quand le sondeur a allumé, vous allez entendre la sonde, ça met quelques bonnes décharges quand même. Donc c'est pour ça. On éteint, on arrive en toute discrétion et puis on pêche le plus silencieusement possible. Oh, c'est gros. C'est beau. Big. Faut que je marche, c'est un mur de pierre. Allez, dépêche, putain. Là, il y a un client. Il m'a mis une boîte, le copain. Pris sur un mur de pierre d'un mètre d'eau. Tu regardes. Et un gros groupe de silures. Et il était là-dedans. C'est beau ça. Bon poisson. Oh la touche. Non, bah d'avoir un aussi gros poisson comme ça en eau douce, mon pauvre, je peux rien dire. Ça. Cartouche. Je peux rien y faire. Oh là 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 là. Ah, c'est des coups de tête de très 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 gros poissons. Oh là là. Oh putain. Oh là là, c'est une vache. Oh putain. J'ai dit des gros mots, ben là. Oh là 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 là, ce parpaing! Il est pas fait. Il est méga fat, mec! Pour ça qu'on va à la pêche! Je sais pas comment on l'est pris. On est récompensé, hein, parce que. On a pris des touches, mais c'était pas facile quand même. Regarde-moi ça, regarde. Oh la vache. Oh là 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 là. Il est débile lui. Voilà, les gros poissons comme ça, on les monte pas au bateau. Hein. C'est des très vieux poissons qu'il faut préserver, il fait très chaud. Donc soit vous encordez votre poisson proprement, comme ça il a le temps de se réoxygéner. Soit vous l'amenez sur un banc de sable ou sur un bord, mais en aucun cas on monte un poisson comme ça, presque de 100 kg dans le bateau. On les abîme, puis c'est pas le but. Le but c'est de le relâcher, puis qu'un autre pêcheur puisse le reprendre derrière. Là c'est bon là.
On attend ça toute la journée, quand ça arrive, il faut profiter. Ouah ! Ah, mais la misère le truc. Putain, il est reparti. Oh ! Ah, t'es sérieux toi ? Il m'a repris 50 mètres. Allez, viens. Oh non, sois gentil, viens par ici. Alors on va doucement. Fais attention à la canne pour pas qu'elle casse. Putain, il est agressif lui. Calme-toi Bobby. Yes. Putain. Oh putain. Il est énorme. Il est énorme. Regarde-moi ce... ce fish. Oh putain. Oh les hameçons. Oh c'est un Golgoth. Oh, c'est un Golgoth. Oh putain. Oh, il m'a tué. Je suis mort. Voilà, le petit striking. Bon, il risquait pas de se dépiquer. Hein. Un bon coup de tête. Paf. Ça, c'est fait. .236. Ouais, il est énorme. Il vaut l'argent de 50, mon gars. Énorme. Énorme. Donc là, ouais, c'est la dernière coulée. On totalise 5 touches, 4 petits et un très gros. Donc bon, voilà, c'est que du bonus maintenant. Hein. On va te faire des poissons, des aussi gros poissons que ça. Au leurre, c'est toujours pas facile. Hein. C'est pas tous les jours fait. Hein. On prend pas des gros tous les jours. Donc là, ce qui a marché aujourd'hui, le striking en taille 6, le pro modèle. Series, Hornet 9, qu'est-ce qu'on a pris aussi Chatterbait avec une Rage Mega Acro en trailer. Puis énormément les striking ça a marché fort. On doit faire quoi 3 ou 4 poissons là-dessus, là, les tailles 6 là, ça marche très très bien, ça descend à 4 mètres de fond, c'est parfait. Du coup, bah là, comme je vous disais, c'est la dernière coulée. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, c'est pas grave. Hein. On se quittera là-dessus. Puis on espère que, bah, que vous avez apprécié cette journée passée avec nous. Et puis surtout, j'espère que bah, ça vous aura donné envie de pêcher le silure au leurre. Voilà, je sais que la pêche au leurre du silure se développe de plus en plus en France. Donc bah, c'est bien. Et puis il faut continuer. Voilà. Ciao, peut-être. Ouais, si tu veux. Allez, ciao. Bye.